ia, maruru mai tei tō tātou wharere ai te horana, te oara mātou i te wharira. Nā ome pai tō mātou roi nā rato te reo wharani, merci. Oia, tau pra hoa i te mara nā mani. Mario, ea tā tātou mā nā tūro, e mun tātou i te mata, ie, mi te peu e teime hia, aru e tātou ia watea, hora horu mapiti, hi o tuai, ea ti nei tāpiripi hei dramata ia, tā tātou mō mani ni o te i whanau hia nā tātou te mahana, horo nā lenai te ria, fai te mai tātou, lenai. Merci Mario, bonjour et bienvenue sur la première, bienvenue dans votre émission Fare Maohi. Merci. Ben oui, hein, merci. Nous on est très contents, c'est vrai, de vous retrouver chaque jour à 11h pour votre émission. Ce mardi 29, nous serons avec Vanina Pagny et Thomas Moana Tahuhuterani. Ensemble, nous allons parler des bienfaits du citron et de ce produit appelé élixir Taporo. Sophie Peracola et Francis Tahoutini seront également nos invités aujourd'hui. On parlera d'un atelier d'écriture organisé par l'association Pauline et Livre. Et ce sera ce samedi 2 février à Arouet à la maison James Norman Hall. Pour les informations tout à l'heure, nous retrouverons Chiquita Teiva Darouzès. Et puis, autre invité sur ce plateau, nous serons avec Sarah Aline et Stéphanie Thomas Mansuy pour parler de parents autrement à Tahiti et notamment d'une formation intitulée Jean Kiri. Titawa Porcher et Chantal Spitz sont nos premières invités sur ce plateau. Ensemble, nous allons parler d'un nouveau rendez-vous proposé par l'université. Ça s'appelle Rencontre littéraire. Ce sera l'occasion de découvrir plusieurs auteurs, bien sûr. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous allons retrouver Chantal Spitz et elle vous donne d'ores et déjà rendez-vous ce jeudi 31 janvier 2013 à l'université, évidemment. Hey, tratatatou, momanini, noteyem hananei. Sivia, miti peu e teitui tōra tarapara hoa tō tātou i raro. Nā oe paraparau mai te ira tōa. Nā rio mai rapo e tō mātou hoa. Tō oe te mahana whanaura ai te mahana. Ai te mahana whanaura, aru au e imi e tarau ea. Nō me te veira vei te mō tātari tō i mātou. I mahana whanaura tō rātou. Nō te whaawawara ai rātou te nā o tātou e motiti ho e tara. I rato i tātou whanaura nō te mahana nei. Tō raro, te mahoa, tāmu i mai. Titawa et Chantal, on vous fait courir, hein. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Alors, Rencontre littéraire, c'est une idée à vous au départ? Eh bien, dans le cadre du master LCSO, c'est-à-dire Langue, Culture et Société Océanienne, l'université propose un cours de littérature océanienne. Et cette année, donc, j'ai choisi d'inviter les auteurs qui sont au programme à venir rencontrer les étudiants. Et au cours de cette rencontre, en fait, on a décidé d'ouvrir les portes de l'université aux gens de l'extérieur qui voulaient venir rencontrer et discuter un petit peu en même temps que les étudiants avec nos auteurs. Donc, cette rencontre avec les étudiants commencera ce jeudi avec Chantal Spitz, donc de 17h à 18h en FIE. Et elle sera suivie donc par Flora Devatine le 14 février et Moeta Brotherson en mars. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres? Parce que au départ, c'était pour les élèves, vous l'avez ouverte au public. Est-ce que vous avez un objectif particulier en l'ouvrant au public? Eh bien, je pense que c'est dommage, puisque c'est une rencontre qui est toujours intéressante et qui donne lieu à des discussions. Je trouve que l'université est vraiment le bouillon de culture par excellence, donc c'est dommage de ne pas en faire profiter les gens de l'extérieur. Et je sais que, notamment, les textes de Chantal suscitent toujours un engouement particulier auprès des étudiants. Donc, je me dis que, voilà, ça peut être intéressant pour tout le monde de venir les écouter et de participer même. Alors, ce rendez-vous, ce sera à 17h, hein, à l'amphithéâtre E. Ouais. Quand on rentre dans l'université, c'est la première salle, la dernière. Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas le lieu? Alors, ceux qui arrivent, ceux qui connaissent un petit peu l'université, il y a le grand amphi A qui est sur la droite. Et en fait, non, l'amphi E, il est tout droit. Donc, voilà, ça va être facile à trouver. Voilà, sur le même couloir, en fait. Hein. Voilà, Alors, rendez-vous donc c'est ce jeudi pour cette rencontre. Et alors, Chantal, vous, c'est vrai que... Si on ne vous connaît pas, on vous catalogue un petit peu comme auteur peut-être engagé. C'est pas quelque chose de négatif, mais quelqu'un qui râle. Est-ce que c'est vous, vraiment? Chantal Spitz, est-ce qu'elle râle tout le temps? Alors d'abord, oui, c'est vrai que je suis un auteur engagé et j'assume entièrement mon engagement. Non, je pense pas que je râle. Je pense que je dis les choses que je pense. Voilà. Vous dites tout haut ce que les autres pensent tout bas, peut-être? Ben, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je dis ce que je pense. Donc, et puis comme je dis en public que ce qui, c'est vrai, peut-être que je dis que ce qui me dérange ou ce qui m'agace, donc je peux passer pour une râleuse. Mais c'est pas grave.
Alors, vous avez écrit votre, publié en tout cas votre premier livre dans les débuts des années 90. 91. 91, exactement, effectivement. Entre ce premier bébé et aujourd'hui, quel bilan vous pouvez tirer de votre carrière d'auteur? Quel bilan? Ben, je sais pas, le bilan, le tir à la fin d'une carrière, non, je sais pas, je suis juste à mon début de carrière, là. Non, mais j'ai fait beaucoup de, je veux dire, dans mon travail d'écriture, j'ai énormément évolué, j'ai énormément travaillé, voilà. Et ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens, de voyager. Et j'aimerais... Et évoluer, quand vous dites évoluer, évoluer dans vos idées, par rapport à vos idées ou par rapport au style d'écriture? Non, plus dans mon style d'écriture, parce que je suis assez fidèle à mes idées. Bon, je peux évoluer un peu, peut-être adoucir quelques angles aigus, mais non, non, j'ai des idées auxquelles je tiens, des convictions auxquelles je tiens, et voilà, je ne vais pas en changer. Enfin... Peut-être que je vais en changer, ça m'étonnerait. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Titawa et l'université, parce que c'est vrai que depuis des années, on n'a pas été invité à l'université de notre pays. Et c'est dommage parce que moi, en 2 ans, je suis allée à l'université de Hawaï, au Royal College à Londres, à l'université de Nanterre, pour aller parler de la littérature autochtone de notre pays, pour parler de mon travail. Et à part Sylvie André qui m'avait invité il y a très longtemps, on n'a plus eu accès à l'université, donc c'est bien. Alors, on n'est pas prophète en son pays, est-ce que ceci expliquerait cela? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien d'entrer en contact avec les auteurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Est-ce que vous avez déjà réfléchi au message ou ce que vous avez envie de raconter aux gens qui vont venir à votre rencontre jeudi? Mais en fait, je pense que les gens vont venir avec des questions bien précises, en tout cas peut-être pour les étudiants, puisqu'ils auront étudié, hein, ils auront travaillé sur les œuvres. Voilà. Sur les œuvres, si je peux me permettre, en fait, on travaille sur l'oralité. La question de l'oralité et le rapport un peu paradoxal qu'elle peut entretenir avec l'écrit, puisque on a des auteurs autochtones qui veulent rendre un peu l'âme à cette culture ancestrale, qui était orale et qui le font par le biais de l'écriture et en français parfois, puisque moi je travaille sur les textes qui sont écrits en français, donc voilà, c'est une gageure qui est intéressante, et donc il me semble que la question de la parole, le statut de la parole et l'oralité sont des questions qui sont au cœur de cette littérature et qui méritent une place particulière, et donc c'est pour ça que Chantal va venir nous parler de ces textes, voilà, ce jeudi. Et en parlant d'oralité, de transmission comme ça que nos ancêtres faisaient oralement et qu'aujourd'hui les nouveaux auteurs, ou en tout cas ceux qui ont l'habitude de parler, qui s'expriment, le font de façon écrite, est-ce que vous pensez que l'exercice est facile aujourd'hui? Plus facile peut-être qu'avant? Je sais pas, enfin, je crois que les questions, ce sont les lecteurs et les professeurs qui se posent. Celui qui écrit se pose pas de questions, celui qui écrit, il écrit, hein. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que avant d'écrire en français, enfin, avant d'écrire et de publier, je parlais pratiquement pas, et c'est pour ça que j'écris, parce que je parlais pas. Et depuis que j'ai écrit, j'ai jamais autant parlé. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette rencontre, ce jeudi 31 janvier. Allez-y, c'est vrai que ça commence un petit peu tôt. D'habitude, tout ce qui est conférence, savoir pour tous, c'est à partir de 18h. Là, ça commencera à 17h. Oui, si je peux me permettre de rajouter aussi l'idée que, en fait, on a fait ça de 17h à 18h, parce que le film de Marie-Hélène Williams sur Pouvan 1 va être projeté à l'université à 18h. Le même soir. Donc, d'accord. Ceux que ça intéresse, Chantal va être des nôtres. Ah oui, ils peuvent rester sur la projection ensuite, dans la même salle? Non, ça sera dans le grand amphi, amphi A. Et cette projection sera suivie d'un débat animé par Bruno Sora et qui risque d'être intéressant aussi pour tous ceux que ça intéresse. Ah oui, donc une grande soirée à l'université, voilà, ce jeudi. Et je crois que Marie-Hélène Williams sera là aussi pour parler de son film avec Bruno. Voilà, donc vous commencez à 17h avec la rencontre littéraire pour découvrir l'auteur Chantal Spitz, et puis ensuite vous allez enchaîner avec cette projection. C'est gratuit, bien sûr, l'entrée est gratuite. Bien sûr. Voilà, bien et si sûr. Vous voulez plus d'infos, eh ben vous allez sur le site de l'UPF, www.upf.pf. Il y a également une page Facebook de l'université, c'est Université de la Polynésie française. Le numéro du service de la communication, si vous voulez plus d'infos, c'est le 803-888. Merci Chantal, merci Titawa. Chantal, Yorana. Yorana Mario. Harirouni, Tramon, Owe,
Sarah et Stéphanie vont nous rejoindre. Prenez vos micros toutes les deux. Bonjour. 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 Alors, Parents Autrement à Tahiti, c'est quoi exactement? C'est une association? C'est une école? Oui, c'est une association faite de parents qui a pour but de promouvoir une éducation bienveillante et respectueuse des enfants et de la nature. On est très porté sur l'écologie. Est-ce que vous, c'est quelque chose de religieux, de... Pas du tout. Non. Ah non, 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 complètement pas du tout. On est très ouvert à toutes les pédagogies, à toutes les idées, etc. On a deux principes fondamentaux, en fait, la parentalité positive, qui est l'éducation non violente, etc., et l'écologie. Toujours dans vos messages, faire attention à l'environnement, prendre soin de l'environnement. Exactement. D'accord. Parce qu'on estime que, en fait, notre slogan, c'est changeons le monde en nous. Pour eux. Parce qu'on estime que c'est à nous, parents, de montrer l'exemple pour que nos enfants puissent un jour contribuer oui, à un monde meilleur. Bien sûr, on a un rôle d'éducateur. Hein, l'enfant imite ce que fait le grand. Donc le grand, c'est qui? Le premier qu'il voit, exactement. Ce sont les parents, évidemment. Donc c'est si les parents jettent leur truc par-dessus la fenêtre ou je ne sais où, les enfants font la même chose. Tout à fait. Alors après, ils ont d'autres exemples dans la rue, les professeurs, les plus grands. Donc le principe, c'est toujours de faire attention à l'exemple. Voilà, et puis surtout de donner des outils aux parents, parce qu'on se rend compte que les parents sont un peu parfois démunis. Donc, oh là là, c'est pas un peu, c'est énormément. Parce que c'est vrai que nos enfants arrivent et on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas. Alors c'est relativement simple quand ils sont bébés, et après c'est quand ils commencent à aller à l'école, ça devient un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Donc on fait beaucoup d'ateliers créatifs, pendant lesquels on donne des outils ludiques aux parents pour apprendre à faire des activités simples, saines et économiques avec leurs enfants. Pendant ces ateliers aussi, on donne des outils éducatifs aux parents sur l'éducation bienveillante. Donc, de vous donner des conseils quand vous dites par exemple, les outils. Tout simplement, comment éviter la fessée, des choses comme ça. Oh, voilà. Comment on fait? Comment on fait pour pas donner de fessée? On donne des alternatives, on prévient. Mm-hmm. On prévient, c'est-à-dire? Je te préviens que si tu fais ça, il y aura telle conséquence. On se met à la hauteur de l'enfant, on se baisse. On le d'accord. regarde dans les yeux, on contacte aussi physique, c'est important, et on le prévient, on lui dit ce qui va se passer, et on lui dit exactement qu'est-ce qu'on attend de lui. Mmh. On évite la négation, on ne lui dit pas « je veux pas que tu cours partout », on dit « j'aimerais que tu restes à côté de moi ». D'accord. Voilà, ça, c'est dans le cas où on prend les enfants pour aller au supermarché, c'est par ça. Exemple, ou dans un parc, et c'est vrai que là, ils ont envie de courir, partir, exactement. Et il faut les tenir, quoi. Tout à fait. Donc, on les prévient. Voilà. Alors, il y a plein après de chaque enfant est différent. Des méthodes, oui. Donc, c'est pour ça qu'on se réunit en maman, parce que du coup, les mamans apportent leurs propres expériences. On est très sur le côté participatif. Les mamans apportent toujours un petit truc en plus. C'est pareil pendant les ateliers ludiques. Chaque maman amène une activité qu'elles ont faite avec leurs enfants. Et ça tourne comme ça. Il n'y a pas que moi et oui. ma collègue. C'est une association qui a combien de membres aujourd'hui? Oh, on est à peu près une trentaine. Et elle existe depuis combien de temps? Depuis septembre. Ah oui, donc c'est une toute nouvelle association. Voilà. Mais alors ça, ça veut dire, comme toutes les associations, que vous marchez avec les dons? Oui, alors... Adhérents ou des mécènes, si vous en trouvez? Ouais. On a une adhésion annuelle de 2000 francs. Puis après, les ateliers créatifs, on demande une participation de 300 francs, juste pour le matériel... consommable. Ah, ça reste, sinon, ça reste abordable pour plein de gens, en fait. Notre but, c'est vraiment d'accueillir le maximum de personnes et de montrer qu'on n'utilise que des matériaux recyclés. Donc, en fait, finalement, on n'a que des petites choses à acheter, mais c'est vraiment montrer qu'avec ce qu'on a dans la poubelle, donc gratuitement, on peut faire énormément de choses. Ah, ça, c'est bien. Et alors, vous êtes situé où? Alors, on est plutôt basé vers Pirey, vers VTA, par là. Mm-hmm. Mais on tourne. C'est quoi? C'est une maison qui est mise à disposition de l'association. Voilà. Mais d'accord. On tourne en fonction des mamans qui proposent leur lieu. On peut aussi tourner. Ça dépend aussi. On fait des sorties pédagogiques, des choses comme ça. On peut proposer des réunions de parents. Là, par exemple, on propose une formation. Et c'est en fonction de qui a un lieu à partager. On se rend beaucoup par le partage qu'on tourne comme ça. Eh ben, félicitations, bravo pour cette idée. Et à côté de vous, il y a Stéphanie qui est formatrice dans cette méthode pédagogique qui s'appelle Jean qui rit. Alors j'étais en radio ce matin, on m'a dit c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. J'ai dit je sais pas, est-ce que c'est ça? Non, juste Jean qui rit. Et alors quelle est cette méthode? Et en fait, c'est pour apprendre à lire et à écrire avec le sourire. C'est une méthode que j'ai connue par l'intermédiaire de l'armée, parce que mon mari est militaire et je tourne énormément avec lui. Enfin, à l'armée, on applique cette méthode? C'est les mamans qui font l'école à la maison.
parce que justement leur mari bouge beaucoup et qui ont découvert cette méthode-là et qui me l'ont fait découvrir. Et elle vient d'où cette méthode ? C'est en fait une dame extraordinaire qui est d'un calme, enfin qui a une pédagogie vraiment dans l'idée de la pédagogie autrement, qui a réuni plusieurs méthodes d'apprentissage et qui en a créé une pédagogie pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à se concentrer avant de commencer l'écriture. En fait, il y a tout un mécanisme, tout un rituel à mettre en place qui permet à l'enfant de mieux apprendre et de mieux se mettre dans la lecture et l'écriture, entre autres. Et alors, ça commence à quel âge ? À partir de quel âge, du moins, on peut... Dès la maternelle. En fait, il y a déjà des chants et des gestes qui sont prévus en maternelle. Donc, moi, j'ai commencé dans ma classe à 5 ans. Parce que c'est la classe que j'avais entre 4 et 5 ans. Mais ça peut être commencé plutôt avec des jeux et des chants. Et la pédagogie en elle-même est commencée vers 4-5 ans. Alors moi, ça me rappelle, je ne sais pas si ça a à voir, mais avant, on apprenait l'alphabet en chantant. Alors l'alphabet, c'est toujours une comptine alphabétique qu'on peut chanter. Mais là, en fait, on n'apprend pas le nom des lettres. On apprend le chant qu'elles font pour apprendre à lire et pour apprendre à les décoder. Un exemple. Eh bien, en fait, on a une petite fille qui s'appelle Anna et qui apprend à dire le A avec une histoire. Elle voit... alors, on va faire le I parce qu'elle passe. Là, j'ai vu, c'est pour ça, c'est plus rigolo. Il y a la petite fille qui s'appelle Isabelle et elle voit son petit frère rire. Et elle imite son petit frère et elle dit I. Et donc l'enfant mémorise le I. D'accord. Là. L'enfant mémorise I. Il mémorise la lettre, son écriture, et en parallèle, il mémorise le geste qu'il apprend à l'écrire dans l'espace, sur la table. Et il a le temps de le mémoriser 16 ou 20 fois avant de l'écrire avec un crayon. Donc il l'imprime dans son corps complètement et ensuite il l'écrit. Et ça permet d'avoir une écriture plus fluide, plus Alors, plus est-ce jolie. Qu'on a fait des études avec la méthode dite traditionnelle et cette méthode-là sur la façon dont les enfants enfants apprennent. Ouais. En fait, elle a été utilisée, par exemple, pour aider les enfants trisomiques. Mm-hmm. Et elle fonctionne très bien parce qu'elle passe par le corps. Elle a été... Effectivement, il y a eu des études qui ont comparé les méthodes traditionnelles, entre autres les méthodes globales qui ont été beaucoup remises en question. Et cette méthode-là... Les mamans d'aujourd'hui, elles ne sont pas d'accord parce que les mamans d'aujourd'hui, c'est moi, par exemple, et on n'avait pas appris ça, nous, enfants, on avait appris d'une autre manière. Mais c'est quand même basé sur une méthode syllabique. Oui. Hein. On est dans l'apprentissage du son et on met les sons ensemble, donc on est sur une méthode syllabique. Sauf qu'au lieu de dire cette lettre-là, elle fait A, eh ben, on l'intègre dans une histoire et on l'intègre donc, dans un geste. Donc le rat, par exemple, et en... Eh ben, alors, en fait, on apprend que le A, ça chante... Voilà. Ah. Et l'enfant, en fait les gestes et comprend en lisant. Après, il se passe des gestes. Hein. Les gestes sont enlevés très rapidement. Est-ce que j'ai un âge limite ? C'est-à-dire, imaginons, mon enfant a suivi un cursus relativement traditionnel à l'école et puis que je m'aperçois qu'il est déjà en primaire et qu'il a encore quelques difficultés. Est-ce que cette méthode est encore applicable ? Elle peut être utilisée comme rééducation si les enfants ont du mal. En fait, par exemple, je peux citer un vrai exemple parce que mon fils n'a pas fait la méthode Jean Quiry avec moi puisque je l'ai eu dans ma classe, j'ai eu la chance de l'avoir dans ma classe. Et ensuite, il est passé à une autre méthode puisqu'il a eu une autre enseignante et il sait lire. Alors je peux pas effectivement dire il sait mieux ou il sait moins bien. Oui. Voilà. Mais cette méthode, elle peut être utilisée. Et moi, quand parfois il y a des choses qu'il arrive plus à faire passer ou des lettres qu'il ne se souvient plus, je lui dis remets le geste et regarde bien. Et effectivement, le geste l'aide à apporter le support dont il a besoin. Bon, alors moi, par exemple, je suis maman, là, je regarde la télé, je me dis, oh, ça a l'air compliqué cette méthode, je ne sais pas comment faire. Je me rapproche dans ce cas-là de l'association. Oui, il y a une formation maman et une formation enseignante. C'est pas, en fait, la formation maman est un peu plus allégée puisqu'elle ne vise pas un public de 30 enfants. Donc c'est un rapport duel avec l'enfant, donc elle est perçue autrement. C'est les mêmes gestes, c'est les mêmes sons, c'est les mêmes fiches, mais elle est présentée d'une autre manière et de manière à ce que nous on puisse transmettre la méthode de manière simple. Avec parce nos que enfants, si on n'est pas simple dans notre tête, on n'arrivera pas de toute façon. Il y a une formation exprès maman et une formation plus enseignant. Elle commence quand cette formation ? Eh ben elle commence samedi. Ce samedi là ? Oui. Et donc on peut encore s'inscrire ou pas ? Oui. Il y a encore un peu de place, oui. Il faut passer par l'association parents autrement, puisque du coup
je suis en lien avec cette association pour faire la formation. D'accord. La formation dure combien de temps? Alors, c'est un module de 21 heures qu'on a réparti sur 6 matinées pour que les mamans ne soient pas coincées avec leurs enfants et que les papas puissent garder leurs enfants sur une matinée plutôt qu'une journée entière. On veut leur épargner la lourde charge. Oh, les papas, vous avez vu comment vous aiment. Hein. Voilà, donc, on peut s'inscrire. Je peux donner... Alors, qu'est-ce que j'ai comme numéro de téléphone? 74 25 51. C'est là où on s'inscrit. C'est voilà. sur ce numéro de téléphone. Hein. On s'inscrit à la formation qui coûte un prix, c'est 23 000 francs. 23 000 francs. Pour les 6 modules. D'accord. Voilà. Et c'est. Les 6 matinées. Oui, 6 matinées. Hein. Donc 6 matinées. En fait, c'est 21 heures réparties. Cette fois-ci, on a réparti. Par exemple, ça commence ce week-end. Il y en aura le deuxième module sera le week-end d'après. C'est les samedis et les dimanches qu'on a répartis sur le mois de février, en fonction des possibilités des mamans et des possibilités de la formatrice. Rien n'est figé, c'est-à-dire que selon le planning des mamans, si vous voyez que ça arrange plus les unes que les autres tel ou tel jour, vous pourrez changer, c'est ça? Ben en fait, on a prévu. Là, on a fixé les dates. Hein. Là, ils sont fixés. Samedi, dimanche, là qui arrive. Oui. Dimanche et samedi dimanche. D'accord. Samedi dimanche, dimanche dimanche et samedi dimanche. À partir de ce week-end. Et ça sera toujours à Piret ou le lieu peut changer? C'est à Piret, à Hamouta plutôt alors. D'accord. Donc le numéro de téléphone, je vous le redonne, hein, 74 25 51. Il y a une page Facebook que vous avez créée, donc on peut retrouver plein d'infos sur ce qu'on a dit, hein, la formation Jean Quiry, mais sur toutes les autres méthodes ou les activités que vous proposez au sein de l'association. L'association fonctionne tous les jours ou uniquement pendant les week-ends ou les vacances? Ça fonctionne tous les jours à partir du moment où on a des projets à mettre en place, mais on est des mamans à la maison qui faisons l'école à la maison à nos enfants. Donc du coup, par exemple, les sorties ludiques, on peut les faire en semaine, les ateliers ludiques, on les fait les vendredis, on peut en faire aussi les mercredis. Il y a des ateliers pédagogiques qui sont faits les mercredis. Il y a plein de choses. Ça dépend en fonction des demandes et des motivations. Une question indiscrète peut-être. Sarah, qu'est-ce qui vous a donné? C'est vous qui avez eu l'idée de créer cette association et... Avec la vice-présidente Olivia, oui, on s'est rencontrés. Moi, j'étais plutôt dans la pédagogie bienveillante et positive. Et j'ai rencontré Olivia qui était très portée sur l'écologie. Et en fait, les deux se sont mariés à merveille. On avait envie de faire quelque chose. Et surtout, en fait, nos enfants... Mais c'est quoi? C'est deux mamans? C'est pas deux professionnels qui ont fait une... Hein, on est des mamans et par contre, simples. Vous vous entourez de professionnels. Exactement. Pour les formations. C'est ça. On est des mamans toutes simples qui sentions qu'on avait des choses à faire, à proposer. Nos enfants s'ennuyaient un peu. Du coup, on s'est réunis toutes les deux et puis on a accueilli d'autres mamans. On ne sait jamais trop quoi faire avec nos enfants. Puis on a tendance à les laisser ou devant la télé ou devant l'ordi. Puis après, on oublie de leur proposer des activités. Hein. Je prêche pour ma paroisse parce que c'est un peu pareil hein, pour moi à la maison. Donc, par contre, juste une autre question. Pour les parents qui sont dans les îles qui seraient intéressés, est-ce qu'il y aurait, par exemple, quelque chose d'envisageable, je sais pas, sur une formation avec Skype, sur Internet, par exemple? On n'y a pas pensé pour l'instant. Donc, vous soulevez le problème... Moi, j'ai pas forcément pensé aux îles. Je viens d'arriver à Tahiti, ça fait très très peu de temps. On s'est rencontrés là, ça s'est fait assez vite. C'est vraiment un concours de circonstances, une belle opportunité. Mais après, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, oui. On essaie de viser le maximum de personnes. Voilà. De toute façon, rien n'empêche de proposer, de dire, moi je suis à Rayatea, par exemple, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on pourrait organiser ensemble. Hein. Ouais. Donc 74 25 51, notez bien ce numéro, et si vous n'avez pas eu le temps de les noter, rassurez-vous, vous allez sur la page de l'émission et on vous donnera toutes les informations. Merci toutes les deux. Merci beaucoup. Naura io hani te vera ta ono ke tap te yema te vera poi tata tu trafan hora pi apa ma oi a e i o u o p ro t u v mele mele ro ta o veno bono ia o te vera ti te pa tau tau to e po po fi fi tu ri ava e po po fi fi tu ri ava tra to ia tra ri mo re tra mama alla versione ma oira j'adore moi. Hey, tata to we, pardon, si bien, moi y'a tata to we, tamoui. Voilà, c'est l'heure des informations. Le journal en langue française tout de suite, présenté par Chiquita Teiva Darouzès. Bonjour. Bonjour. Et on ouvre pour le journal un volet social.
Eh bien, le personnel de l'hôpital du Taoné est en colère. Pas de grève pour l'instant, mais des mouvements de contestation du côté des médecins et des infirmiers, comme leurs confrères de l'hôpital de Taravo qui ont manifesté la semaine dernière. Le personnel du CHT du Taoné dénonce le retard du versement de leur salaire. À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi sur le mariage pour tous a été houleux. Après 16 heures de débat, le projet de réforme divise les députés français entre la gauche qui défend un acte d'égalité et la droite qui préfère organiser un référendum. L'examen de la loi devrait durer encore 2 semaines. Et puis en bref, du côté de la justice, que se passe-t-il ? Pas de chance pour Mara Télécom. Le tribunal du commerce a prononcé hier la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise pour cessation de paiement. Son patron Julien Sioux a indiqué vouloir faire appel à cette décision de justice. Et puis on parle aussi entreprises en difficulté. Bien sûr, la crise continue. Ouais. Et parmi les secteurs durement touchés depuis 3 ans, celui de la construction de bateaux de pêche au Marara. Et les prévisions 2013 s'annoncent plutôt mauvaises. Les précisions de Nicolas Suire et Léopold Tefato. Dans cette entreprise, on fabrique des petits Marara de père en fils. Il n'y a jamais eu de problème économique majeur, mais depuis 3 ans... la crise a fait chuter le chiffre d'affaires de 20%. En ce moment, on voit, c'est une chute de clientèle, quoi. Pour le moment, on a juste un peu. Mais peut-être les années à venir, on aura peut-être des problèmes, quoi. On a peur pour nos familles, si jamais on a plus de commandes, on n'a plus de travail. Alors, l'entrepreneur a dû augmenter ses prix de vente, mais aussi changer de fournisseur. À cause de la flambée du dollar néo-zélandais, les matières premières sont devenues trop chères. Cette année, le fournisseur est chinois. Il a permis de réaliser des économies. Mais cela reste insuffisant pour baisser les prix. Lorsque vous entendez sur le nombre de sociétés qui ferment et les emplois qui se perdent aujourd'hui, on ne sait pas trop si nous, demain, on aura, en baissant les prix, on aura autant de clients. Dans cette autre société, le dirigeant s'est lassé de voir les clients partir avec des proforma et ne pas revenir, faute de prêts bancaires. Alors, Marie a décidé de changer d'activité. Elle s'est lancée dans la fabrication de pirogues. Pratiquement toute notre activité est basée sur la pirogue. On a des commandes qui viennent de l'extérieur, de Nouvelle-Zélande, de Nouméa, de l'île de Pâques et des îles. Ces deux entreprises ont dû s'adapter pour faire face à la crise. Aucune n'a eu à licencier d'employés à ce jour. Et puis de son côté, la société SMPP Sogeba a obtenu une nouvelle fois un sursis au redressement judiciaire. Le tribunal du commerce se prononcera définitivement le 25 mars prochain sur un remboursement échelonné de sa dette. Et puis on parlait environnement tout à l'heure avec l'association Parents Autrement à Tahiti. Il en est question également dans ce journal. Absolument. Et bien ce matin, le ministre Jacky Briand emploie les grands moyens pour préserver le Mont Temehani et la Tiare Apetai. Face aux médias ce matin, il a rappelé qu'en 1995, on comptait encore 3000 pieds de la Tiare. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 260 pieds. Le ministre a pris les mesures qui s'imposent. On l'écoute tout de suite. Il est au micro de Tower Ili et Hubert Liao. Nous nous sommes mis d'accord avec le procureur, nous allons installer des caméras. Donc ces caméras vont avoir ensuite le support pour que tout délinquant soit directement transféré devant le procureur avec des sanctions à hauteur de 1 million plus des peines de prison. Je reprends, tu reprends, c'est qui? C'est toi? Bon, alors on parle Heiva. D'accord. Le Heiva Itahiti, rappelez-vous, on en avait parlé un petit peu avec Heiri Moana il y a quelques jours. Ce Heiva 2013 se prépare. Tout à fait. La Maison de la Culture informe les écoles de danse traditionnelles, mais aussi les groupes de chants et danse, que la clôture des inscriptions au Heiva de Tahiti 2013 auront lieu donc ce jeudi 31 janvier à midi. Alors dépêchez-vous, déposez le plus vite possible vos dossiers d'inscription. Et c'est la fin de cette édition. Merci, c'était le journal de la rédaction présenté par Chiquita Teiva Darouzès. Place aux informations en langue tahitienne tout de suite. Voici le VA Poto avec Chiquita et Mario. Oya Maru mo te tota to fare de ai te horanai tata to mo pro api no te horasi kita yorana. Yorana Mario. Pro api matamoro.
it pa no te totiare na moroya te ane it moto te tanu tu te motu ti mai no te forim ai no taone aita if ira ohipa if au hie te te me teira te ane irato mai te tupuna ite ite hepeto mai ari ane te forim ai no taravo te fahapane te moto te motu ti mai i te tere yo te fatrira ite ofo a itarato moni a a piti a ite ni Baru mai te tratata tu tu mpreu matamu. Oi te hina aru hi hae pepu hei kitane kitane. E aure ra oi e te hina aru ra. Te hi pepu te hamatara atara ruru ra i pari ya. O tupo te reira i te a iriti ture no pari tra o tito te mo te man o te mo te pute frani o puar a ture hoi te ie fa tupu ha e fa e umu mea tuane i te man o te praune te pae au i e ture te ie e fa ai faito i te taat oara ari ara te pae atau te titau neia i at uhia te fauti a hopia i roto i te nun a tra piti hepetoma tuata papara te tapurahia no te ie neia o puar a ture. Te ura nā o tātou e, i tae ana e trai piti hewe tōma, e hamana hia tātou e? E hamana hia. E, pa, o te hua ia, o hio tātou tāra parau. I te veira hu e parau api tā uwharo i te pepene, non e te mana? Mara Telecom. Mara Telecom. Tra nin hi pro e atua no te nei te pai ya no te tiripuna no te tapi ora o at uhia ye te Mara Telecom i raro a te hi op ora te ture no te orera o ye ofo i tana maut o muni. Oho oho po ina mo. Nari pa tatu pro. Ani fiki tatu vet ora te tai pro. E ere no te nei ya pro hir no hier pa te pro e ai te hi po fa ha. Te vero vet mo te 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 hamata ora. O ya te fine ya te pro ya te ama hi pa ho ia e ra veniro to te hamani ra puti marara tra turu mo te te nei te ite nei ra to te ho e to par ani te fai to piti ahuru in ya ite hanri te mira cha papura e tien ra puto rawa o Leopoldi fatu. I roto i te hamani poti marara, nā te metua tāne i hamata mai, nā te tamaitira, e amore te iamhana, e atoru mataiti te nei, te topatopanei te mauho ora. En ce moment, on voit, c'est une chute de parua ta matou mau ko or a. Ta matou e pep anei, no te ye ya magdau i muri nei. Te pep anei no te mea, ya ta mau no te ye mutu par a, e fifirua ya ta matou oipa. No te arai i te ia mau fifi, wa hamar a uiei tāna mau tarifa hauru atu, no te mar ar au te tāra niuterani, e mea muni reirua te mau tauhia e i te ia mataiti, te heonei i tāna mau tauhia i te whenua tinito, e i tāra uiei nehen he whaatopai tāna mau muni ho'o. Lorsque vous entendez sur... E rawe rai te iete, e piri nei te ia mhana. Ai tā dua ia e hepa whahau e te wiwi nei te mana o, nun ia i te mau huani, no ananhai. I roto i te ie tai e te, ho e ahuru. Ai ta te huani e hoifahau mai, ai ta te wharemoni e horu ārei te tarhau, i whauti ei o mari, i te taui, ma te hamani, i te vaa. I te iemhana, e hamani no mato i te vaa, e mea rei te maupor oira, no rapa e mai, e au te aroa, numea, rapanui, e au reda tot mamutu. Wa tawiru wa te iena ta iete e piti no te ara i te mauwhiwhi. Aitara ho e noa araba e hoipa i whaho i hia. Oia, mararu mai te tean no te e tumu parau. E reha tana aura au ue. Te hare noa tura tumuni te teit a no te e mutahia. Ai, aho i pahani i tatatu ho ara au. Nā e tu atu poe. Nā e te muri noa tura te orara. E hui tatu ngei te e parau no te e tiare apetai. E re ane sikita. No te nau wharere hea tu te whatare hau. Ia sa ki brion ngei te e tumu parau. Tra, paruru te maua te mehani e te tiare apetei, te aror aia te whaterehau a Jackie Brion, wa wawau mai o ia i te reira i mua i te mopap aive e te pepe nei, te mof anhor a api, te maua te mehani wa i te tatou i reira ana e tupu wai te tiare apetei, wa imi te whaterehau i te mourab ea, no te paruru ia i te moura au hop ea e tupu nei e te maua, te papu ho e mirio ni utu amoni ta te tātai hare no atu e tua i te nei a tiare apetei, te man ao te whatreha wiwihia e tawar ili rawa o Ubeliao. Te mia mea tano i te mahana e whaara i a naroto i tēne mo whare reira. E tā mo huia te teimo patara aho hoa i ngai te mahana. Rane, teimo hoa whare rei matu i te hawa wiwi,
ya mana te ni ho ho no te tatai pa umatu re ya ya ite hi ona i roto i te totoara i roto i te ofatira mita o e praura i roto i te amani inora i te inei fofa te rira te me e o i roto i te horora te utua o e mirione me e ia tui te fupatape arai fare api e urai te rā o e mirione so pina hei o e hare o e pa ho e piti are apitai wa tano toa ne, no te me tara ti are o no hoi re te ona i tupue o poni roara Prau tātou hei wā te piri meira, te pī meira te whātereo te whare tau i tīnu. Tāpā. Tra, e poro i te iei te maupupu oriat oa i te maupupu Himene, e hina aro nei tatau no te hei wā i teiti no te, nei ma teiti traia, te wharamaira te whare tau i tīnu i e, e opani te mau tap or ai oa i te iem hana mha i te hora harumapiti i te awatea, no rira mea mā aviti atu. Tra homa, e ni atua i te i prau tātou e tā erwai, whare a tātou ananhei, maruru e parhei. Maruru sikita, maruru moita ia. Me auro, trata tato mō prau i api. Ananei i mātou e mite pēu e no aia mātou i te whaite tu te o tato mō mana ni rito i tato whanahora matara. Ai, e reta matara. Ah, ok, matara ananei ia. Tamui, warawa. Sophie et Francis, bonjour. Yorana. Alors, en début du mois de janvier, vous avez donné un atelier d'écriture. C'était sur la côte ouest, voilà, à l'hôtel Méridien. Et alors, ce week-end, un autre atelier d'écriture, cette fois-ci à la maison James Norman Hall. Ce sera entre 9h et midi. Hein. C'est ça, entre 9h et midi. Un atelier d'écriture, c'est quoi exactement? Un atelier d'écriture, c'est un endroit où... Donc, c'est déjà un atelier, un lieu de travail. Et un endroit où donc, on laisse monter les mots en soi pour les retranscrire et pour faire de belles choses. Il faut déjà avoir envie d'écrire ou juste être curieux de comment est-ce qu'on met une phrase derrière l'autre quand on veut écrire un poème ou quand on veut écrire un roman quel est l'objectif, quel est le but peut-être de... Donc il y a des personnes qui peuvent venir avec un projet à court terme ou à long terme. Ils peuvent venir régulièrement donc, pour travailler leur écrit, pour travailler ce qu'ils veulent produire. Et puis il y en a d'autres qui viennent juste pour apprendre, voilà, une pour nouvelle voir chose. Un petit peu ce qui se fait. Est-ce que quand on fait un atelier d'écriture, après on apprécie mieux les livres au niveau de la lecture, puisque en fait l'objectif premier de l'association Pauline et Livres, c'est de promouvoir la lecture. La lecture publique en Polynésie, oui, c'est ça. Donc quand on fait un atelier d'écriture et qu'on apprend des techniques, est-ce que finalement ça nous rend un lecteur plus efficace, je ne sais pas peut-être le mot que je cherchais, mais plus pertinent? Peut-être, oui. Oui. On est peut-être plus conscient du pouvoir des mots, peut-être. Et oui, c'est ça, du pouvoir des mots. Ça commence à partir de quel âge, un atelier d'écriture? On peut le faire à tout âge? Oui, on peut le faire à tout âge. Donc avec Pauline et Livres, là, c'est pour adultes. On a fait de la formation, justement, pour les animateurs ou pour les enseignants, pour qu'après, ils puissent refaire partager leurs élèves. Avec leurs élèves. Ou dans les centres de vacances, voilà. Et puis sinon, oui, ça se fait. Oui, c'est comme tout à l'heure, l'association Parents Autrement à Tahiti qui disait que c'est de proposer des activités, une écriture, un atelier d'écriture, ça peut être une activité qu'on peut proposer à nos enfants. Tout à fait. Même si on se dit, oh là là, non. Tout souvent, à fait. Hein, les enfants, on leur dit, oui, voilà, écris-moi un petit truc. Oh non, j'ai pas envie. Donc comment on fait pour donner envie? Montrer qu'on peut prendre du plaisir et que... Montrer toutes les facettes en fait de ce que peut apporter l'écriture et que ce n'est pas quelque chose essentiellement de scolaire, mais que ça oui, on ne met pas de pression de inutile. Voilà. On y va. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux d'écriture et donc c'est leur montrer. Voilà. C'est apprendre en s'amusant aussi, même sur cet atelier d'écriture. Oui, c'est-à-dire qu'on apprend des choses très sérieuses, mais on reste quand même dans une ambiance bon enfant. Voilà, dans une ambiance bon enfant. Ou alors vous sortez les fouets de temps en temps et vous dites non, c'est comme ça. Non, pas du tout. Dans une ambiance bon enfant, mais aussi dans cette ambiance de pouvoir partager des activités avec nos enfants, quel que soit les tranches d'âge, mais aussi de pouvoir leur donner cette envie de pouvoir écrire quelques mots, quel que soit le mot, mais de pouvoir l'écrire, mais pouvoir aussi donner ce qu'ils ressentent à l'intérieur de l'écriture. Ah oui, c'est vrai, ça peut aider, ça. Souvent, je ne sais pas si c'est la génération aujourd'hui, mais à une certaine époque, il y avait des enfants qui avaient
des cahiers intimes, on appelait ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des journaux intimes, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça les enfants utilisent toujours les journaux intimes? Il y en a. Ou alors c'est Facebook qui est devenu le journal intime? C'est plus Facebook qui est devenu leur journal intime. Facebook est peut-être un journal peut-être moins intime. Mais oui. Donc on a l'impression qu'il est intime, mais on le partage avec plein de gens. C'est ça. Mm. En revanche, il y a beaucoup d'enfants qui continuent à écrire, à tenir un journal. Oui. Donc ça peut être un bon atelier pour, en tant que parent, pour apprendre à nos enfants comment on fait pour écrire, pour se raconter en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour parler de soi et après pour pouvoir parler de d'autre chose. 3 heures, ça suffit? C'est vrai que c'est un peu court, mais c'est déjà un bon début. On va dire que c'est une initiation à l'écriture. C'est ça. Donc selon le public que vous aurez ce jour-là, vous allez adapter vos cours en fonction. Si par exemple, je sais pas, moi je dis moi je veux vraiment apprendre à écrire un poème. Ce n'est pas un cours. Oui, c'est un cours ludique, on va dire plutôt ça comme ça, parce qu'on apprend quand même des choses. Oui. Oui. Tout à fait. Donc l'atelier d'écriture, ça coûte combien d'ailleurs pour y aller ? Donc c'est un voilà. Donc on a un minimum requis. Il faut qu'il y ait 4 personnes. Au minimum. Au minimum 4 personnes. Et le tarif est dégressif en fonction du plus nombre de personnes. Plus il y en a, et moins c'est cher. Voilà. Donc c'est pour ça mot, qu'on voilà. Voilà. Vous faites passer on invite le mot, vraiment les gens à venir s'essayer à l'art d'écrire. À partir de quel âge on le rappelle? À partir de quel âge Genre 16 ans, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. 16 ans et 77 ans et plus. Donc le numéro de téléphone, je vais vous le donner, c'est le 79, il y en a deux en fait, celui de Corinne qui est la présidente de l'association Pauline et Livre, 79 04 82, ou alors vous appelez directement Sophie au 32 96 64. Et il y a aussi une page Facebook, c'est Pauline et Livre Tahiti, là vous retrouverez le programme, et si vous avez des questions précises à leur poser, n'hésitez pas, vous leur envoyez un petit message via leur page de l'association. Merci. Je peux juste rajouter, j'ai moi-même un atelier d'écriture. Donc voilà, qui s'appelle Lulu dans l'arbre. Lulu dans l'arbre. Lulu dans l'arbre. Et il y a une page Facebook aussi? Non, il n'y a pas de page Facebook. Un site web? C'est. J'ai une adresse mail et mon D'accord, téléphone. D'accord, bon, on va donner le numéro de téléphone et puis les gens comme ça. Voilà. Lulu dans l'arbre. Voilà. C'est noté. Merci. Tata Manini, t'es mes farimes, il y a Francis. Francis, Yorana. Yorana Mario. Hani, Tata Manini, au tramano, Fatoubou, il y a été tourné. Oui, il y a été Fatoubou, il y a été. Haputur aputa, nadie tahu. Ini haputur aputa. E papa ira hamatura yaratut papa i. Iti teh puta yang ini ratu ya tu itu ratu momen oh ini eh uti papa ira taratu inaru. Hatta tariho yang mitra ta shontal ma yaru er. E me er ita shontal ma. Nut mitra shontal ma wa ravi oya i wa ini eh oya iti puta matu aita. Nut hapino ar ayratu. E nahia e papei e te tiri maureni ta ue e hin aro e tuin e roto i te puta. E ere rāho e ami ta chantaj pitlma. Manawe, mi te pegu e farito hi e papei nar to te reo te hiti te reo no hivo te reo o mutu te reo. Tra te fifi no te mea i te e te e fanhor an me nar to no e te reo frani. E ere nar to i to tawa reo. E ere to nar to te reo tua mutu. E ere to nar to te reo no hiva. Menarto no te hamatar atei. Hamatar ano atei. Ani, ia te ia hipa e tupu e. E tupu te ita pro hipa i te whare Chance Norman Oul. I arue. I arue. E hamata o ia i te pepe. E nen he o ia o tō i tani nume i tēne tuin tō tātou i a Sophie Percola. O ia tēne tuahine, te haponi, tēne whanorana tātou, tēne mahanama. Me tamoni i haren? Me tamoni. Ma huru tau tini peha nere frani, no tau e no ata. E rei te ata e haere, e iti meia te hamau ar a, no tēne pupui haere e, i roto i tēne whanohar ata. Whamono maina te teo mahana? I te mahana ma piti no whepuare, mi te pepeu i te tu, i te hora ahuru ma piti, wha o titue. Ha, tara, mi te peu e, tu mo mitu e, antaira, awhai tatatu mo te mori, awhai. E ri hamata hei hapi na hei papa ina te tei prau ana te tei mana awane. Parunu mai te Francis, ha? Tare na mai non e te ne tumu pro, te hare na tatu ni e ta tatu mu mani ni hopea, te whanohia na tatu te mana. Tare poporo a Francis na auto, hamoni to o te tei prau. O oe mari o e, ye whaotin e whare maa oe, e hui oe whare tama, e o te tamaru tu e roro. I ore na, na ome paitu mai a oe pete le pro muri hona. Tau pa ta tatu mu mani ni, o yoi non i e te pro ki taporo. Mi te pahinaro o tau e varikuta o tau, Kosa rane,
na ameno toma eura to toma tia turi de waya toma tomo mai toraro tamu mai. Thomas Moana, bonjour. Vanina, bonjour. Prenez vos micros tous les deux. Alors, bonjour. Qu'est-ce que tu nous as apporté là, Thomas? Du jus. Le produit miracle, c'est l'élixir Taporo. Prends ton micro. Voilà, l'élixir Taporo. Oui. Alors, l'élixir Taporo, c'est quoi exactement? Ben, c'est du jus préparé en médecine traditionnelle. Ben, avant tout, bonjour Léna, bonjour Mario. Même si on se connaît déjà. Oui, bah moi je te vois pour la première fois. Moi. Bien sûr, hein? Bien sûr. Donc, Elixir Taporo, effectivement, tu as demandé à passer en plateau parce que tu as dit, moi je fais quelque chose, j'ai envie de parler des bienfaits du citron. Bien sûr. Alors, Vanina, on connaît tous le bienfait du citron. On l'utilise avec du miel quand voilà, on a un peu mal à la gorge. Poisson cru. Dans le poisson cru, dans la cuisine, évidemment, c'est tellement bon. Magnifique. Il y a plein d'autres utilisations, même au niveau pour nettoyer la peau, voilà, pour cosmétique. Voilà. Il y a un truc que personne, je crois, sait en ce moment, parce que ma grand-mère, quand les bébés naissent, il met le citron dans les yeux. Oh, chaque goutte. Eh oui. Oh mon Dieu, mais on fait pleurer les bébés. Mais non. Au contraire, ça régénère les yeux. Ah bon, c'est ce qu'on dit. Les enfants n'en sont jamais aveugles. Ça, c'est une méthode traditionnelle thaïsienne. Oui, hein. Oui. Ça, comment on sait tout ça? Ben, je sais pas, moi, c'est le Seigneur qui nous a donné, ça c'est sûr. Hein. Même moi, c'est le Seigneur qui m'a mis sur le chemin, parce que normalement, c'était à ma grand-mère. Et c'est ta grand-mère qui faisait déjà oui, ça, oui, d'accord. Oui. Et Vanina, toi, tu connais ça parce que tu es de la famille ou C'est parce que justement, j'ai consommé son produit oui. Suite à une maladie que j'ai eue. Je ne pouvais plus marcher, j'avais un trou dans le pied. Un trou. Voilà, diabète. Un trou. J'ai fait plusieurs médecins, je suis allée voir plusieurs médecins. Je suis restée un an alité. Et Non, sans marcher. Je ne pouvais pas marcher. C'est incroyable ça. Marcher. Enfin, c'est formidable. Exactement. Donc, ouais. Tu as pris uniquement de ce sans jus de citron. Voilà. C'est un au Tahiti, en fait. Voilà. Hein. Voilà. Exactement. Est-ce que tu as demandé ce qu'il y avait dedans, en plus du citron? Non. Non? Non. Ce qui est marrant, ce que j'aime bien. Hein, les gens demandent ce que j'ai mis dedans. Oui. Bah alors oui, moi, on je est dis, curieux. Et je leur demande, et quand tu as pris les cachets, tu as demandé au docteur qu'est-ce qu'il a mis dedans? C'est une bonne réponse, c'est ben vrai oui. Qu'on ne demande jamais. Non, non, il y a un truc encore, il y en a trois. Mm-hmm. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut nous sauver, c'est tout. Ah, donc c'est les trois bouteilles que tu as bu, par exemple, oui. Ça s'est passé exactement, ça pour toi. Oui, oui. Comment est-ce que tu as entendu parler de Thomas Moana? Mais c'est parce qu'on habite le même quartier. Mm-hmm. C'est ma nièce en plus. Et puis, moi, c'est sûr qu'à l'époque, je faisais confiance à la médecine Popa, comme on dit. Et il m'a vu avec mon pied, il m'a dit, ah non, c'est pas possible. Ouais. Je suis juste à côté, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Tu n'y avais pas pensé? Non, j'y ai pas pensé du tout. Tu te rappelais plus que Thomas Moana faisait un élixir avec du citron? Si, mais on n'y pense pas. Hein. Mm. Avec la modernisation, on fonce tout de suite au médecin et voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as bu ce médicament traditionnel? C'est miraculeux quand même, moi je dis. Pourquoi? Parce que dans la mesure où la première fois que j'ai avalé son produit, l'effet est vite arrivé. Je pouvais poser mon pied le jour même à plat, oui. Chose que je ne pouvais pas le faire parce que je marchais de côté sur pour le éviter bord justement de mon d'avoir pied. Mal. Oui. Exactement. Mm. Alors, du coup, ben, son produit a fait que j'ai pu mettre le pied à plat. Là, déjà, ça m'a. J'ai dit merci Seigneur. Ah oui. Alors, est-ce que ça t'encourage à aller plus vers les méthodes traditionnelles aujourd'hui pour te soigner? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mm. En sachant que des fois, alors faut faire attention à qui prépare exactement. Le Tahiti, ouais, hein. Et des fois, il y a des gens, bon, voilà. Hein. Comment on sait alors qui est bon dans ça? Ben, c'est les malades qui parlent aux autres malades. Vous venez me voir parce qu'ils sont guéris avec ce produit-là. Parce qu'il y en a plusieurs en qui moi. Font ce type de Rahu Tahiti. Que moi. Il n'y a que toi. Mmh. Donc ça va, on ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Par contre, est-ce que tu fais d'autres Rahu Tahiti aussi? Ben, avec tous les Rahu que ma grand-mère fait, je sais, je peux le faire. Mais ça, ils soignent presque tous, comme j'ai marqué là. Tout ce que j'ai marqué, oui, c'est alors, vécu. Oui, alors tu as mis par exemple les calculs rénaux, les intoxications, qu'est-ce que tu as mis, les maux de tête, les palpitations, etc., etc. Alors tu avais commencé à créer un site et puis hop, tu t'es arrêté. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que tu demandes à tes enfants
ou tes petits-enfants, voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est voilà, les petits-enfants qui savent bien aller sur l'ordinateur. Il faudrait que tu leur demandes de la mettre à jour, hein, pour que les gens en comprennent un peu plus. Justement. Mais en tout cas, on donnera de nous toutes les informations qu'on connaît. On peut donner ton numéro de téléphone, Thomas. Oui, c'est le 70 54 78. Et je suis ouvert, attention, écoutez bien, je suis ouvert 24 heures sur 24. Oh là là, dis pas ça, on va te réveiller à 2h du matin ou à 3h du matin. J'ai eu des clients comme ça, c'est pas un problème. Au contraire, ils viennent comme ça, bleu. On peut, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Et tu es où? J'habite Punavia, derrière le magasin Proxy Punavia. D'accord, donc à Punavia. Avant d'arriver au pompier. Combien ça coûte? Oh là, c'est un peu cher. C'est? Ouais, c'est un peu cher. C'est quoi, mais un peu ça cher? Te soigne tout. Ça veut c'est 10 000 francs les trois. 10 000 francs les trois. Mais bon, qui te soigne vraiment. Ça, d'accord. C'est... Et on les prend à combien de temps d'intervalle? Ben, si tu veux vraiment vite guérir, en une journée, sinon en une heure. Ah, tu prends les trois, tu ça, peux le mettre dans la journée. C'est trois verres, ça, d'accord. Oui. Est-ce que je peux prendre ça pour maigrir? Bien sûr, mais attends, Mario, attends, j'ai fait un scotch. Quoi, un scotch pour maigrir? Comme ça, non, on va pousser. Il y a une astuce. Si tu as fini de manger, tu prends un verre au tiède. Et trois citrons. Tu prends ça du jus de citron, tu oui, veux dire. Comme d'accord, ça, avec ça les citrons. Nettoie un petit peu, hein, c'est pas ça. Un petit peu, au contraire. Un petit peu beaucoup, voilà. Merci Vanina et merci Thomas Moana. Merci Maloulou. Maloulou, moi, t'es tout matière là, moi. Maloulou, Mario, Marana. T'es, il est noté, il est à votre faire, il est à votre faire. T'es une erreur, ou t'es. Voilà. Et ni le voyage. Et à ta haute, ou le Twitter à la haute. T'as ta mère. Non, t'es pas le voyage à la te metu ka ta mai te varu mai te eh teria na pipiria teria pro mo te oro pai nana pai te oro te taporo nana to te hamoni ra eh te hamoni ra na to mai na to mai ere ane eh ha na to metu mai te ta te tu oro mai te ne ito in aro fai te e ha te ne fai te ne pe ta te ne pe te ne e kopi e hia e ha pe na wo te ati o e no ta te ni ya ai direct sui mo no te ha no te metu si to mo kafe na no te ha no te metu yare na mato tavri ti hoa terei rau ki tātai whai te hora tu e, e hata rato ra au e urei do tō. Ui te aho e ti naru whai te, no te ha? To te ara. No te ara? E apu rato te ara au, a whai rato e tō rato whenu, ere rato hamani nā rato. Ere ane o tere tō e te whenua tinto? O tere o nā te whenua tinto, whenua mea amari te whenua tāpone e hara Dubai. Nā rato se CSM. Te thea ni rei au tōma. Te paraura o e aru ara, ye nuna menu tra e tūru mohoina te emana. E nā e tāpoi ana, e on whaura e aitira te mit, bet tua mure tō oe. O tamata oa? O tamata oa. Te whaura oa ue, nā mu ene itu ene ne tāhai. E, pro mauro te ria. E tēnei? Āwharo? Āwharo. Te ura hoa no te meto e nura tra e tūru mohoina? Ia, ia. O e teimi te nura, tra teimi o ninhe e o tāhai. E? E, te piti rau te nura, no te whaora ia tra... Tra apu, roto tu ave, no te mea, e te i o... Ai te iri waha, waino mai te roto rao, ha? O ia. Na tra ia rao? Na tra ra au, i wha atupu aho me te iri. E re trana e te mai a toma, te te roi aru e re roto rao. Te parau toma hati ota, te... Te nanu te ira te ia. Te nanu te ira, te upua ne. Paura te ria mo mea. Toma, e anira. No te mea te piri mai te mini te wha e tato. E whea munita o e ra au? Pito tintara no whaora i ao. 10 mil. Ha? Nā rea tatu i pura ua. E mem te imu mai mea dialise, e ne to e ora. Te ora, tau e numera ni niu. E he tua horu, pae horu mamaha, he tua horu mawau. He tua horu, pae horu mamaha. He tua horu mawau. He tua horu mawau. Nā rona o toi atoma, tanu ni o to tera numera, ai tana, ti o nere toi apuna avia. Ai te hora, matara o, piti horu mamaha ni piti horu mamaha. Pura mautara, maha horu mata hiti wotara, amai te, ai te hora. Matara no. Aru era, te paru ura, oe, tramu ayuri nei nei me ro eta o ke tapo ma maru au a ya o ai ta fana ura mo hewa ero ya ya we ane ya ai te ai ai to era ma maru au ora we eta poroa si tu jule si tron to pota to pota mota ho ho pota yo to pota yo no mata ai te ni la to ma ho pota ti no la ai e mi te pori ri na ta we ni ya me na ta mu yo yo ya ta poro ta poro Mario sa pula. To war hai, baru ru mai to ma. Fa no mai, fa no mai. Puka, vani na e ho ya tai vani na. Wo wo to vani na. Te tai mo mana fa no ra, ti pai tai yo hi ana na ira. Alvan, re va tu, hein? To ru mo tai ti to te ai, c'est notre copain. Alvan, non? En fait, il a 3 ans celui-là. Re va tu Alvan.
Vanne Maiter El qui fête son anniversaire. Nous avons un peu de temps, et nous avons un peu de temps, mais nous avons un peu de temps. Tanotu ya moke Louise i hiva oa maur ma o mate hiti ato oto ete mhana o ete mhana fanura. Bon arrivé, Naï. Oui, et puis comme il me reste encore un peu de temps, je vais, il y a Unani qui nous a envoyé un petit message pour souhaiter à sa nièce chérie Mou Kiao Tarita Andreina un bon anniversaire pour tes 2 ans. Il y a aussi Tarati Felicia qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Enfin non, c'était hier plutôt. Hein. Bon anniversaire de la part de parrain Bruce. Et puis il y a Tihia Florian, épouse Tino Moué, qui fêtait hier aussi son anniversaire. Joyeux anniversaire pour ses 35 pétales de rose. Autre message, il y a April. Alors April, elle est, son mari est venu ici avec l'association Tapunui Motion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était en 2008 ou 2009. Donc elle aimerait bien avoir des photos. Si vous vous rappelez d'un monsieur comme ça, un Néo-Zélandais, hein, qui était venu des îles Cook aussi, venir chez vous peut-être, si vous avez des photos, eh bien vous nous envoyez un petit message, on pourra leur envoyer vos coordonnées. Alejandro souhaite un happy birthday à Rerearí de Paella pour ses 10 ans. Et puis dernier message aujourd'hui, il y a un happy birthday à Teroroi. Alors je recommence. Teroroi Reiatua pour son année de plus. Voilà, plein de gros bisous. On se retrouve demain à partir de 11h. Merci. Tout.